Allez, go, direction la machine à sous Rocketman. Donc certes, jolie torchade sur le précédent jeu, le Zombie Circus. Alors, 1980, c'est la balance restante. Alors, 20, 40, on va commencer avec des mises à 20. Espérons que Mister Don ou Mister Kim puisse éventuellement venir à notre sauvetage. Enfin, notre rescousse. C'est clair, jolie performance sur le précédent jeu, passé de 4000 balles à 1980, c'est quand même pas mal. Enfin, on sait très bien que ce genre de jeu c'est pile ou face, des fois ça paye, des fois ça paye pas, donc c'est sûr qu'on peut pas tout le temps gagner. Alors là, il paye que dalle depuis un petit moment, on va tenter quelques mises à 40. En espérant que le jeu y paye quelque chose, que, vu ce qui reste dans la balance, franchement. Avec les mises à 40 balles, ça peut vite dégringoler. Allez hop, mode flipette, mise à 20. Apparemment, la série de spins perdants n'est pas encore terminée. Ah, Mister Kim le sauveur. Alors, on a déjà deux wilds ici. Allez, un petit five off quand même avec la petite fesse là. Alors est-ce qu'il va nous faire un troisième lancer? Non. Ouais, 212. Ouais, petit coup de pouce de la part de Kim, bon, pas de gros big win. Là, c'est des mises à 20 euros le spin. Ah, Mister Don. Alors, baston de Mister Kim ou pas? Alors, baston, qu'est-ce qu'on va gagner? Le boom time, le party time, les frisbees nucléaires. D'accord, Donald Winner. Alors, Miss Fefes bonus, Miss Fefes bonus. Alors, laquelle je vais choisir pour ce soir? La petite brésilienne. 400 balles plus collecte. Voyons voir ce qu'il y avait ailleurs. Oh, 3000 balles sur le cul plat. Eh ben, franchement, j'ai raté. J'ai pas choisi la bonne paire de fesses. Eh ben, Mister Don, il va s'éclater. Il en a deux pour le prix d'une. Alors, 406 de gagné. On remonte à 1008. C'est à peu près 400 balles, c'est à peu près 1 x 20 par rapport à la mise. Donc si c'était des mises à 100, ça aurait fait 2000 balles. C'est sûr que le ratio c'est pas le même. Alors Mister Kim Rocket. Alors le canton, Donald Duck. 48, pas énorme. Bon, ben, j'aurais préféré gagner les free spins nucléaires, mais vu que Don il a bombé la gueule à Kim, pas moyen, c'était le party time. Alors bonus de Kim de gagner, bonus de Don de gagner. Malgré ça, pas de bénéf au niveau de la balance. Bon ben là, c'est un jeu qui va peut-être se terminer sur un triple zéro pointé. Thank you.
On a raté le Five of a Kind avec les petites fesses. C'est vrai que Miss Fefes et du High Symbol, ça paye beaucoup si on se tape un Five of a Kind. Ce qui est bien sûr relativement rare. Alors on va tenter, hop, mise à 40. Espérons que la série de spins perdants soit pas terminée. Allez, Mr. Don, Mr. Kim, un petit bonus, ce serait peut-être le moment de se manifester. Ah, voilà, je vais vite me faire défoncer. Hop, retour avec des mises à 20. C'est clair que 10 spins perdants consécutifs à 40 balles, ça fait moins 400 dans la balance, donc vu qu'il reste pas grand chose. Alors là, ça paye que dalle de chez que dalle. Alors Mr. Kim, on a du burger là, vas-y, place bien les jokers, 2 ici, un petit Five of a Kind. Normalement il fait deux lancers, s'il est généreux il en fait un troisième ou un quatrième, on va voir. Et non, pas de troisième lancé malheureusement. 66 de win. Bon, les bonus, pas très généreux jusqu'à présent. Allez, 10 spins perdants moins 200, 20 spins perdants moins 400. Bon, après ça, il y a le triple zéro pointé. Mr. Don à la rescousse, Mr. Kim. Flippette ou pas flippette. Et voilà, il a flippé, hop. Alors, Don le golfeur. Alors lui, pareil, généralement, il fait deux lancers. S'il est en forme, il en fait un troisième ou un quatrième. Qu'est-ce qu'il va me prendre comme symbole? Du low symbole. Ben non, pas de troisième lancé, win cacahuète à 68. Donc plusieurs bonus de gagner depuis le début de la partie, mais la torchade est plutôt au rendez-vous. Pas de gros win. Voilà, je crois que c'est le début de la fin. 238 de restant, 238. On fait une remontée, c'est un miracle. Mr. Kim, si tu pouvais nous faire un Five of a Kind avec les fesses. Allez, deux ici, un par là. Ok, il m'a bouffé une paire de fesses. Alors, troisième lancé ou pas troisième lancé. Eh ben non, le Kim, il n'était pas très chaud. Alors, 126 de win. Bon après je pense que les jokers qui balancent ils sont placés de façon aléatoire, donc pour gagner le Five of a Kind avec les petites fesses c'était pas évident. Et ouais, sur ce genre de jeu c'est programmé de façon aléatoire, mais plus les gains sont élevés moins ils ont de chances d'apparaître, ce qui est un peu logique. Allez, des mises à 10 balles. Hein, dire que des fois je mets des vidéos de casino streamers, ils font des mises à 2, 3 euros, 4 euros, ils se tapent des wins mais monstrueux de chez monstrueux, des trucs de science-fiction. Alors c'est clair qu'il y en a, ils ont quand même des sacrés coups de bol, mais bon, ce sont aussi des gens qui jouent pendant des heures, donc...
Forcément, quand on joue pendant des heures et des heures, tôt ou tard, on se tape un joli big win. Alors, le début de la fin, le début de la fin. Zéro win ici. Allez, 1 euro, hop. Et c'est là qu'on dit terminus, tout le monde descend, triple 0 pointé. Alors qu'est-ce qu'il me reste? 20 centimes. Bon ben voilà, et la lumière fut. Donc triple 0, certes, petit commentaire que je répète très souvent dans mes vidéos, on peut pas tout le temps être chanceux avec ce genre de jeu. Des fois on gagne, des fois on perd, mais faut pas se faire d'illusions. Sur une grande masse de joueurs, il y a plus de perdants que de gagnants. Donc c'est pas parce qu'on gagne une fois qu'on peut penser que c'est très facile de gagner. Enfin, juste histoire de terminer sur ce petit commentaire. Ouais, sur ce, la bise à tous et rendez-vous très prochainement. Puis, espérons que Madame Chance soit un petit peu plus rendez-vous.